Le métier ? Ouais. Une actrice. M'a fait. Oh bon. Tous mes amis, eh oui ! Je sais faire un plat, mais alors putain. Ah, super bien. Le plat que je préfère ? Chebujen. Le truc à avoir là, là. Moi, je dirais plutôt. Non, mon jean taille haute, skinny. Le truc que je porte tout le temps en fait, quoi. Levi's. J'aime pas sortir une poubelle, tout ça, c'est ça. J'ai pas envie de... J'aime pas sortir, ouais, faire le ménage et sortir la poubelle. La zen attitude en fait, cool, j'aime pas le stress, tout ça, donc voilà, tout le temps avoir ses moments en fait à soi, tout le temps s'enfermer un petit peu dans sa bulle. Gratter les couilles. Oh, ah, mon pas de danse. Mon pas de danse, il est comme ça. Ça, c'est le pas de danse de Miss Go. And that is right. Maintenant, j'arrive pas à bouger mes narines, tu vois. Non, j'écoute de la musique, j'essaie de me remémorer un petit peu, tu sais, des matchs, des bons moments en fait pour me booster. Oh là, je suis olympique 2012 sur le podium avec la médaille. Quand on s'est pas qualifié pour les Jeux en 2007, voilà. C'est mon pire parce qu'on avait l'équipe pour aller aux Jeux Olympiques. Il y a la finale de l'Euro, mais parce qu'elle est plus récente. Mais quand tu sais que, voilà, parce que pendant l'été 2008, j'ai quand même mal vécu. Donc voilà. Après la finale, c'est regrettable par rapport à la France. Mais si je devais en citer qu'un seul, il y a celui-là. Après, bien sûr, le deuxième, l'Euro. Homme ou femme confondu ? Bah, Kobe. Une bêtise que j'ai faite et que j'ai cachée à mes parents. J'ai tellement fait de bêtises en plus. Oh, quelle bêtise j'ai pu faire. C'est en fait, j'avais cassé en fait un vase à ma mère et j'avais tout nettoyé en fait. Et elle s'était pas rendu compte pendant plusieurs semaines. Et elle a demandé où était ce vase là. Bah, on sait pas en fait, il a disparu et j'ai jamais avoué. Olivia Pope. Une série que je suis actuellement, Scandale. Scandale, ouais. Un rêve, de vivre ma vie comme maintenant et de rester une femme indépendante et en gros de vivre mes rêves. Voilà, de pouvoir les réaliser surtout. De rêver, mais derrière de pouvoir les réaliser. Là je suis en mode happy, je suis tellement heureuse et comme j'ai vu Pharrell Williams il y a pas très longtemps en concert, donc voilà.